Depuis quelque temps, ils s'interrogent sur l'éducation qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Dinner is ready. Dinner is ready. What do you want to drink? What do you want to drink? Bravo, chérie. Je trouve que tu fais du progrès. C'est tellement difficile pour moi. Je n'y arriverai jamais. Pourtant, c'est important pour mon travail d'être bilingue. C'est même nécessaire. Dinner is ready. What do you want to drink? I want some milk, please. T'as vu comme c'est facile pour le petit d'apprendre l'anglais? C'est normal, chérie. Il paraît que les enfants ont beaucoup plus de facilité que les adultes à apprendre d'autres langues. Il faut lui trouver une école qui offre un bon enseignement de l'anglais. Oui, tu as raison. Mais il faut d'abord que l'école accorde une place primordiale à l'enseignement du français. Crois-tu que ça existe une école qui forme de vrais bilingues? Je veux dire, quelqu'un qui saura toute sa vie maîtriser la langue française et fonctionner tout aussi bien en anglais dans n'importe quelle situation. Je crois bien que oui. J'aurais aimé fréquenter une telle école quand j'étais petite. En tout cas, on va la trouver, cette école, pour nos enfants. Une école qui met au premier plan l'enseignement de la langue française. Une école qui crée un espace francophone riche, stimulant et favorable à la construction identitaire. Une école qui favorise le bilinguisme durable. C'est aussi ça, l'école de langue française. Sont-ils sur le point de trouver l'école de choix pour leurs enfants? Pour le savoir, ne manquez pas le prochain épisode. Quel rôle l'école est-elle appelée à jouer pour s'assurer que les élèves deviennent bilingues? Faites-nous en part via Twitter ou Facebook à Mon École de choix. La réalisation de cette capsule est une initiative de la Fondation Éduquer en français, en partenariat avec la Commission nationale des parents francophones et la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Nous tenons à remercier Patrimoine canadien pour son soutien financier à la réalisation de cette vidéo.